Sou. Vous êtes prêts les terrasses ? Allez ! Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Je vous retrouve dans un endroit extraordinaire à quelques kilomètres de Foura, entre La Rochelle et Rochefort, au lagon de l'Après. Le lagon de l'Après, un village de vacances où vous allez pouvoir profiter de très 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 belles animations, et j'ai à côté de moi la direction avec Philippe. Philippe, vous êtes gérant et directeur de ce complexe de lodge et de mobile home, si je puis dire. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu déjà nous voir et de faire découvrir notre site touristique, notre village vacances, qui est un camping en réalité 4 étoiles, ouvert toute l'année. Et merci d'être là pour faire découvrir ce site paradisiaque, qui pour moi en tout cas l'est. Alors un site paradisiaque déjà qui commence par une belle piscine, un lagon que vous nommez avec ce nom-là. C'est ça, c'est un lagon naturel, c'est-à-dire que c'est de l'eau naturelle, c'est pas du tout chloré, donc c'est ça qui est très bien, c'est bon pour la peau en plus. On a créé ce lagon il y a quelques années et ça fait vraiment le plaisir et la joie de tous les enfants, des parents, on a même mis des bouées ça cartonne. C'est un complexe qui a combien de bungalows ou lodges ? Alors en tout, on a 199 mobile homes et chalets. On n'a que des mobile homes et des chalets. On a un lagon, on a une piscine couverte chauffée qui est là-haut, on a un parc aquatique, on a une salle qu'on appelle le Cakey Club pour les enfants, on a une structure externe aussi pour les ados, pour qu'ils soient ensemble. On a un city stade, jeux gonflables, restauration, tout ce qui va bien pour que tout le monde s'amuse et puisse profiter de cette semaine ou de leurs 15 jours de vacances au maximum. Alors, on vient d'assister à une parade avec les enfants. Jean-Michel vient de passer la vidéo. Alors, les animations sont très importantes au sein du club. Ah oui, c'est le point le plus important après les piscines, parce qu'il faut des piscines, hein, les gens, et puis vu la chaleur, je crois que c'est essentiel. Mais les animations, elles démarrent dès le matin et elles finissent le soir à minuit. C'est-à-dire que c'est du non-stop chez nous, du samedi, enfin toute la semaine. Voilà, 7 jours sur 7, c'est animation non-stop. On a des animations pour les enfants, pour les ados, on fait des défis surf, on fait des jeux Koh-Lanta, on fait des soirées fun fluo disco, on a des soirées magie, hypnose, on a des chasses au trésor, on fait des défis surf, on fait des défis toboggan, on fait l'aquagym, on donne même des cours de natation aux enfants dès 9h, hein, puisqu'on a une animatrice qui est diplômée, qui a le Bézane, et qui peut donc réaliser ses activités nautiques. Et bah voilà, c'est le bonheur, ça donne le bonheur à tout le monde est content. Le bonheur est au lagon de l'Après. On peut parler aussi de l'ouverture toute l'année. Ouais, c'est ça. J'ai décidé, quand j'ai acheté ce camping en 2011, de l'ouvrir à l'année un an après. Je trouvais que c'était bien d'ouvrir un site toute l'année, d'en faire bénéficier les gens. Ils peuvent louer leur mobil-home même à Noël ou Nouvel An. C'est vachement sympa. Et en plus, la moitié de mon site, il y a des résidents qui achètent leur mobil-home. Alors, c'est pour leurs vacances. Hein. On ne peut pas y vivre à l'année, bien évidemment. Mais ils viennent autant de fois qu'ils veulent. Ils peuvent faire venir leurs amis, leur famille. Et ils profitent de mon village toute l'année. C'est ça qui est original. Hein. Merci Philippe, et puis une équipe aux petits soins si vous venez visiter et rester au lagon de l'Après. À bientôt sur C17 et toujours en direct.